Salut à tous, c'est Aiden et comme chaque semaine, ce sont les News Web 3. Cette semaine, le Vatican se lance dans les NFT pour protéger son patrimoine, Apple est jugé anticoncurrentiel, Puma qui lance ses sneakers Figital, Google qui s'associe à Polygon et enfin, le premier mannequin MetaHuman a vu le jour. C'est parti! De débuter, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, de cette manière vous ne raterez aucune de mes vidéos. Le Vatican se met au NFT. La bibliothèque du Vatican s'associe avec Entity Data, un fournisseur mondial de services technologiques pour numériser sa vaste collection, on l'imagine, de biens culturels à l'aide de la solution d'archivage numérique AMLAD. Ce projet ambitieux vise à préserver des pièces précieuses de l'histoire humaine tout en les rendant accessibles dans le monde entier et par un maximum de gens. Depuis 2014, AMLAD travaille en collaboration avec la bibliothèque du Vatican pour créer une archive numérique de sa vaste collection de trésors culturels. Le Vatican Library Web 3 Support Project, oui je sais c'est un nom relativement compliqué, est une initiative qui utilise la technologie de la blockchain pour connecter la bibliothèque aux supporters. Alors des supporters c'est quoi? Ce sont des supporters qui peuvent obtenir des NFT en partageant l'initiative sur les réseaux sociaux ou en montrant leur soutien à la bibliothèque. Donc il s'agit de gens qui souhaiteraient vraiment protéger le patrimoine culturel du Vatican. Ces NFT donneront accès à des images haute résolution de 15 éléments du patrimoine culturel appartenant à la bibliothèque, ainsi qu'à des textes évidemment explicatifs spécialement créés pour le projet. En bref, AMLAD change la donne pour les bibliothèques et les musées en général en protégeant les biens culturels précieux, vulnérables à la dégradation et aux dommages. Donc c'est vraiment une initiative que je trouve absolument fabuleuse parce que ça permet de donner un accès à la culture pour des données et des informations culturelles inestimables auxquelles normalement le public n'aurait pas accès. Et bien aujourd'hui, grâce au Web3 et au NFT, cela s'avère possible. Cette solution de pointe est conçue non seulement pour la préservation, mais aussi évidemment pour la promotion de l'utilisation. Passons à présent à Apple, sachant que la Cour d'appel fédérale américaine a récemment rendu un arrêt déclarant illégale la taxe de 30% imposée par Apple sur les achats in-app de NFT, évidemment ce qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la façon dont ces derniers vont être vendus et achetés sur l'App Store d'Apple. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un procès qui a été intenté par Epic Games, le développeur du jeu Fortnite si vous ne le connaissez pas, contre Apple, qui est accusé par Epic Games de détenir un monopole sur le marché des jeux mobiles. Alors bien qu'Apple ait remporté la majeure partie de ce procès, le jury a confirmé que la politique de l'entreprise étouffait clairement la concurrence. Ah, bien. Pour rappel, en octobre 2022, Apple a modifié ses règles en précisant que les NFT utilisés pour débloquer des contenus ou des fonctionnalités supplémentaires dans une app ne pouvaient être achetés qu'à travers son système de paiement in-app. Cette décision, évidemment, a créé un environnement plus difficile pour les ventes d'applications utilisant des NFT sur l'App Store, c'est logique en fait, et au passage, de nouvelles restrictions supplémentaires sur les avantages liés notamment au token gating et donc l'accès à certains services grâce à la possession de certains NFT spécifiques ou le merchandising ont été ajoutés par Apple. Donc Apple est en train de serrer les taux et un petit peu de cadenasser tout ce marché évidemment pour maintenir une certaine position dominante. On ne le voit pas venir. La décision de la Cour fédérale américaine pourrait donc entraîner une baisse des prix des NFT, ce qui, je vais être honnête, c'est pas ce qui m'arrange le plus en tant que holder d'NFT pour l'instant, mais bon, soit si c'est bien pour le bien de tous. Pas de soucis, et une concurrence accrue sur le marché bien évidemment, ainsi que la facilitation et la création de ventes de NFT pour les développeurs sur les appareils iOS. Les développeurs d'applications Web3 pourraient également en tirer de nombreux avantages car Apple ne permettait jusqu'à présent que les transactions NFT via son propre système de paiement in-app, vous le comprenez, donc aujourd'hui on va avoir en tout cas beaucoup plus de possibilités quant à l'achat de NFT qui pourront être utilisés sur des jeux mobiles utilisables sur iOS. En tout cas, on espère que cette décision conduira à une plus grande adoption des NFT par le grand public. Bien. Malgré tout,
il est fort à parier qu'Apple interjette appel, mais cette décision constitue un revers important malgré tout pour l'entreprise, qui a été vivement critiquée pour ses politiques relatives à l'App Store de manière générale, et ça fait déjà un petit temps que ça jase. Bien que l'issue de cette décision reste incertaine aujourd'hui, elle pourrait avoir des répercussions significatives sur le marché des NFT ainsi que sur l'ensemble du secteur des cryptos. Et maintenant, il est temps de parler de Puma qui lance ses baskets digitales. Donc cette semaine, Puma a annoncé son association avec la marque Web3 TenKTF, qui a été rachetée par Yuga Labs notamment il y a quelques temps, pour lancer une collection en édition limitée de baskets en NFT, la série Grail Slipstream. Cette collaboration est la continuité de l'intérêt récent de Puma pour l'industrie du Web3. La série Grail Slipstream, que je vais appeler GS, ce sera plus simple, sera constituée de 2000 paires de baskets créées en partenariat avec l'artiste Alexander John. Chaque paire de baskets disposera de couleurs uniques et d'une languette de chaussures customisable avec le NFT du propriétaire. Ces NFT en question seront dans une collection limitée, donc il faut des NFT éligibles et qui sont bien sûr limités aux collections partenaires telles que notamment le Bored Ape, Play World of Women, les Cool Cats et encore bien d'autres. Les baskets physiques seront équipées, elles, d'une puce liée à leur contrepartie NFT qui pourrait être scannée pour vérifier leur authenticité sur la blockchain grâce à un smart contract. C'est donc plutôt sexy, je trouve. Mais ça n'atteint pas le niveau de artefact selon moi, ce n'est que mon avis. Petit plus, Puma distribuera 2000 NFT Super Puma inédits à celles et ceux qui échangeront leur GS Mint Pass. Donc ce titre un petit peu tiré au couteau, c'est juste son autorisation de minter la paire de chaussures, hein, donc soyons clairs. Donc ce mécanisme de pouvoir donner un NFT à ceux qui vont échanger leur Mint Pass, c'est une petite carotte pour encourager l'échange pour une paire de chaussures physiques, donc une paire de baskets physiques, du pass plutôt que la revente sur le marché secondaire. Hein. C'est évidemment pour couper l'herbe sous le pied des petits spéculateurs que vous êtes. Cette collaboration continue la démarche des marques fashion Web3 telles que Artefact, 90cc que je vous engage à aller voir, et maintenant Puma a associé des actifs physiques et numériques pour créer un produit unique qui s'adresse à la fois aux collectionneurs et aux amateurs de mode. Passons à présent à Google Cloud qui s'associe à Polygon pour développer son écosystème. Donc Google Cloud et Polygon Labs ont annoncé une collaboration visant à soutenir le développement de l'écosystème Polygon. Plus précisément, le service d'hébergement de nœuds blockchain Node Engine de Google Cloud aidera le réseau Polygon à déployer et gérer plus facilement ses nœuds. Cette collaboration permettra également de faciliter l'adoption de l'écosystème Polygon. De manière générale, ça va améliorer la rapidité des transactions et le faible coût des frais qui sont déjà pas très chers, soyons honnêtes. Cette infrastructure soutiendra tous les protocoles de Polygon, je rentre pas dans les détails parce que c'est assez technique. Selon Brendan Farmer, qui est cofondateur de Polygon, ce partenariat avec Google Cloud est essentiel pour l'avenir du protocole ZK. Warning, warning! Pour ceux qui ont eu les oreilles qui saignent à l'instant, ZK veut dire Zero Knowledge, et de manière simple, ce sont des protocoles qui permettent, si vous voulez, de confirmer un droit d'accès à quelque chose sans devoir divulguer vos informations personnelles. Je donne un exemple, vous pourriez prouver que vous êtes bien un citoyen français sans avoir à divulguer votre identité à la personne en face de vous. C'est en réalité le futur de la protection de notre vie privée, si vous voulez. Fin du warning, j'espère que ça va mieux, j'espère que ça saigne pas trop. Google Cloud a déjà établi plusieurs partenariats avec des entreprises du domaine de la crypto et du Web3 par le passé. Récemment, Google Cloud a étendu son soutien aux constructeurs Web3 en ouvrant son Google for Startups Cloud Programme. Ce programme est destiné aux projets capables de lever des fonds pour leur phase de pré-lancement, donc pré-seed si vous voulez en jargon startup, et offre 200 000 $ de crédit Google Cloud sur 2 ans ainsi qu'une assistance technique complète. Le partenariat avec Polygon Labs permet aux startups en phase de démarrage dans le Polygon Ventures de bénéficier de ce programme. On en parlait il y a quelques temps, mais il est relativement évident que Polygon a passé la deuxième, voire la troisième, en termes d'accélération sur le marché du Web3. Et enfin, le premier modèle MetaHuman, donc Meta Humain, est né. L'agence de gestion de talent Unsigned et le studio de production virtuelle Dimension ont collaboré ensemble pour créer le MetaHuman d'Eva Herzigova.
Ce modèle 3D en temps réel créé à l'aide d'un dispositif de plus de 70 caméras qui ont scanné le mannequin dans son entièreté a été conçu pour pouvoir s'habiller, se coiffer, se maquiller, bouger et exprimer des émotions. Eva Herzigova a participé à une séance de capture de mouvement pour perfectionner sa démarche et les mouvements de son visage et de son corps ont été suivis à l'aide de systèmes Vicon. Les possibilités d'utilisation de cet avatar MetaHuman sont nombreuses évidemment, notamment dans les défilés de mode virtuels, en réalité augmentée, la modélisation de vêtements numériques, les jeux en ligne, la diffusion en direct et les images évidemment fixes pour des magazines. La mannequin a exprimé sa fascination pour la création de son MetaHuman, soulignant la liberté de modifier et d'ajuster tous les aspects de son apparence. La mannequin peut à présent, en tout cas on l'espère pour elle, être à de multiples endroits en simultané tout en étant en réalité occupée à passer du temps avec ses enfants. Le projet marque une étape importante pour l'entreprise Unsigned dans le monde numérique de la représentation de talent, parce que Unsigned représente des stars et des mannequins de manière générale et d'autres, ainsi que de la copropriété de la propriété intellectuelle, ce qui s'avère être un business extrêmement à haut potentiel dans le futur avenir, je pense, ça va être relativement intéressant à suivre. Le mannequin Eva Herzigova est également le premier mannequin de la vie réelle à faire ses débuts sous la forme d'un avatar 3D hyper réaliste. Je sens que ça va faire peur à certains. Ça va fuser les critiques, critiques, critiques. Passons à présent au marché des NFT. Comment se porte-t-il cette semaine? Eh bien, on observe que le marché est un peu froid, qu'il n'y a pas beaucoup de profits, il n'y a que quelques personnes sur le marché qui se font des profits. On voit que le Blue Chip Index, par contre, a légèrement remonté. On voit que le nombre de traders, il y en a encore de moins en moins, de plus en plus d'holders. Le marché est en train de se cristalliser et est hyper frileux. Je trouve ça très très ennuyant pour l'instant. Il ne se passe pas grand chose. Le top 10 bouge un peu. Si on jette un œil, ça nous donne quoi? Très peu de mouvements sur ces 7 derniers jours, mis à part Milady Maker, hein, qui est de nouveau réapparu dans ce top 10. C'est une collection japonaise que je ne comprends pas, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Je vais peut-être commencer à m'y attarder pour essayer de comprendre ce qu'il se cache derrière cette collection. On voit que Degods est en 6e position, donc la collection qui venait de Solana et qui est arrivée sur Ethereum se porte plutôt pas mal, hein, avec un floor à 8.25, c'est plutôt sympa. Pour le reste, on n'a pas vraiment de nouveaux players, ça me semble tout à fait stabilisé. Il y a juste la partie Clonix qui est sortie du top 10 malgré le fait que son floor remonte petit à petit, donc c'est plutôt pas mal pour Clonix, hein. Vivement que ça remonte encore un peu plus, je ne vous le cache pas, mais voilà, donc c'est un peu plus calme pour les Clonix, mais pour le reste c'est assez stable, toujours un top 10 assez classique. Les mutants par contre ont un floor qui continue de dégringoler, les board ape aussi. Azuki est extrêmement puissant, hein. Il reste très très stable, ils oscillent entre du 14 Ether et ici du 15.3. C'est vraiment pas mal du tout, c'est vraiment pas mal du tout, mais on se fait royalement, hein, soyons sérieux. Voilà, petite note, veuillez noter que la semaine prochaine, il n'y aura pas de news, votre humble serviteur prend une semaine de congé, mais je vous donne rendez-vous la semaine d'après, sans faute. À présent, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, je vous laisse ici, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'était Aiden, ciao.